L'organisation religieuse New Dawn accuse la conseillère municipale d'Oakland, Miranda Comey, de diffamation. Dans une récente interview, la conseillère avait décrit l'organisation comme, je cite, « une vaste escroquerie organisée ». L'organisation semble avoir riposté avec plus que des poursuites. La vie privée de la conseillère a récemment été exposée à travers la mystérieuse publication dans les médias de son dossier médical et notamment de ses traitements transgenres. Un porte-parole de New Dawn a déclaré que l'organisation n'était pas responsable de la divulgation du dossier et a accusé la conseillère Comey de chercher désespérément à attirer l'attention. Ne laissez pas nous voler notre voix! Le téléchargement est fini et je suis au parc. Je teste quoi? Profile tout ce que t'as autour de toi. Les gens, les appareils, vois ce que tu peux en tirer. Ça nous aide à préparer nos opérations et c'est en réalisant des opérations importantes aux yeux des gens qu'on les fait s'intéresser à DeadSec. Plus on a de followers qui téléchargent notre app, plus on récupère d'infos. C'est le cycle de la vie. Oh, et vois si tu peux nous trouver des composants pour nos recherches. Trafiquant d'armes. Cette app est un outil de data mining, une solution de collecte d'informations hautement sophistiquée. Hipster. Ok, c'est bon, j'ai pigé. Bon, et maintenant? C'est toi qui vois, mec. T'es libre de faire tout ce qui t'intéresse. Les opérations qu'on publie sur l'appli DeadSec nous aident à obtenir des followers. Et les followers, c'est notre carburant. Plus on en a, plus on accède à des ordinateurs, donc à de la puissance de calcul. Et on peut monter des opérations de plus grande envergure. Hey, salut! C'est quoi le délire avec Bobo DX? Tu sais que Bobo travaille sur un nouvel album, non? Ouais, et alors? Eh ben, tu n'entendras jamais cet album! L'autre bâtard de Gene Carcani a balancé des millions pour le garder juste pour lui! Pourquoi le PDG d'un empire pharmaceutique veut un album de rap? Attends, le mec, il a une collecte d'albums de Bobo monstrueuse! Il veut sûrement mettre le nouveau sur un mur en mode trophée! C'est juste le pouvoir de l'argent, mec! Et tu sais si Bobo a accepté le deal? Il a rien annoncé encore! Mais il va le faire! C'est une tonne de cash! Alors, on a peut-être encore le temps de faire quelque chose. Le temps de quoi? Oups, désolé. Vous avez déjà entendu parler de Gene Carcani? Ouais, c'est le merdeux qui est passé à la télé l'autre jour. Il se marrait en disant qu'il allait augmenter le prix du traitement contre la leucémie. Ouais, l'homme le plus détesté d'Amérique. Mais pourquoi tu demandes? C'est un grand fan de Bobo Dax. Il a appris que Bobo était en ville pour enregistrer de nouveaux morceaux et il offre plusieurs millions pour garder l'album rien que pour lui. Mais c'est tellement débile. Bobo acceptera jamais un truc pareil. Le vrai Bobo, non. Mais on va accepter à sa place. Je vais aller le voir et demander si je peux pas emprunter quelques-uns de ses morceaux pour renforcer notre crédibilité. Et Carcani, on le contacte comment? Passer en revue toutes les interviews de Bobo, ses podcasts. Trouvez-moi des phrases qu'on peut sampler, histoire de faire un joli montage. Ça va me plaire. Pour la regarder, hein? On se voit, Hackerspace. J'arrive tout de suite.
just keep on trying to diss this. Nigga that you know that's been down for years. I clown for years, and y'all can never play my peers. 5, 6, 7, 9, 10. J'ai un morceau de bobo que personne n'a jamais entendu. Ça avance comment, le montage? Yo! Moi, c'est Bobo Takes, bitch! Parfait! Et du coup, Karkani, comment on le contacte? Je vais faire un tour à sa ville-là. Il faut que je voie sa troupe. J'ai autre chose à foutre, pas de temps à perdre. Allez, on va jouer avec le pharma connard. Ouais, il l'aura bien mérité. Allô? Yo. Yo? Qui c'est? Oh putain, je suis votre plus grand fan, vous avez réfléchi à ma proposition? J'ai écrit de nouveaux morceaux, ouais. Ah ouais? C'est trop bon. Wesh? Vous pouvez me faire une démo? Magnifique, lunatique, historique, genre historique. Ton super, tu seras pas l'alpha de cette histoire. T'auras pas le droit à ton heure de gloire. J'en fais jamais, dis bien que c'est Bobo. Putain, c'est puissant! C'est votre meilleur morceau! Moi, dans rien. Et c'est une exclue, hein? Rien que pour moi, personne d'autre l'aura. Wesh! Comment on fait pour la thune? Bitch, il est où, mon fric? Je l'ai. Dites-moi juste comment le transférer. Yo, check ça! Ah, voilà. C'est le numéro de compte? Wesh! Envoyé et confirmé. C'est bon. C'est génial, c'est trop le plus beau jour de ma vie, truc de ouf. Wesh cousin, c'est Bobo Dakes. Quoi? On dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais Dieu s'est créé à l'image de Bobo Dakes. Et de quoi tu parles là? Wesh cousin, c'est Bobo Dakes. Non. Non. Non 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 non. Oh, c'est quoi cette merde? Dead Sec. Putain, allez, pourquoi moi, les gars? Pourquoi, hein? Je suis un gentil, sérieux. Putain, c'est que du business. Mes actionnaires attendent des résultats, quoi. Il vient de donner 20 millions pour la recherche contre la leucémie. Bitch, il est où, mon fric? Le troll ultime, putain! Thank you.
Bravo, Marcus. Notre nombre de followers explose. Et il y en a combien qui nous filent l'accès à leur PC? Tous, c'est ça l'intérêt. Ils nous donnent l'accès et nous, on établit un énorme réseau de PC qui nous rend plus forts. Notre propre réseau informatique sur le cloud. Et les gens signent une espèce de contrat, genre j'accepte que DedSec contrôle mon processeur. Ouais, nous on est transparents. Avant même d'installer l'appli, ils savent qu'ils nous donnent accès à la puissance de leur ordi, mais jamais à leurs infos perso. Faut avoir sacrément confiance. La Silicon Valley serait prête à tout pour un niveau d'intrusion pareil. Son économie est basée sur l'exploitation de données privées. Sauf que nous, on veille sur nos followers. C'est pour ça que les gens rejoignent notre mouvement. Pour faire passer un message à tous ces technocrates. Juste après la pause, nous recevrons en direct un ancien artiste de rue. Sweet Tea, tel qu'on l'appelle dans sa communauté, nous présentera un nouveau recueil de ses œuvres ainsi qu'une nouvelle ligne de mode, comprenant t-shirts, casquettes et bijoux. Ça promet d'être intéressant. Marcus, t'as vu le trailer du dernier film de Jimmy Siska? Non, il est sorti. Vas-y. Je veux voir, pas là-dessus. Pour le voir, faut qu'on ait un pur son. Un putain d'écran, un gros canap. Ouais, t'as raison. Et le silence absolu. Tu l'as déjà vu, toi? Bah non, mec, je t'attendais. Oh, mais comment t'es trop cool. Ok, tout le monde, on va mater le trailer, alors fermez vos gueules. Vos gueules. Dans un monde entièrement connecté par la technologie, mon boulot, c'est pas la justice, bordel. Un homme sillonne les autoroutes de l'information en quête d'une cyber-justice absolue. Ce que je veux, c'est la cyber-justice. Une simple ligne de code suffit à détruire ce monde. Comment ça va être cyber, tout pourri? Cyber Driver. Balance l'attaque côté sup. Jimmy Siska est... Pas le choix, les trollers. Vous venez ou vous crevez. Devon von Devon. On doit mettre ces hackers à l'abri et vite. C'est pas des hackers, Devon. C'est juste des bidouilleurs. Hé, hey, la voiture a parlé. Eh ouais, c'est pas la smart car à ta mère. La prochaine fois, il nous faudra un firewall encore plus haut. Cyber Driver. Sérieux, comment c'est badass? La voiture qui parle, franchement, Josh, elle est pas stylée? Vous savez ce qu'on va faire? Une version modifiée de ce trailer. Et... cette bagnole va nous aider à le faire. Sérieux? Ça nous rapporterait un max de followers, ça? Josh et moi, on va au studio récupérer le script. On fouille un peu, histoire de voir s'il n'y a pas d'autres conneries en rapport avec DedSec, et puis on cherche la voiture. Ok, mais c'est quoi le deal? On leur envoie un avertissement? Non, il faut pas faire ça, ils vont booster la sécurité. Non, laisse-les faire. Stresse pas, mon petit. C'est nul. Les films de hackers, ça se fait hacker. Studio HMP. Nous vous tenons unique responsable de l'horreur que Cyber Driver. Les cascades ringardes et les dialogues vides, admettons. Mais insulter notre intelligence, alors ça, on ne vous le pardonne pas.
Vous n'avez pas la moindre idée de ce quoi les hackers sont capables. Vous ne voulez pas apprendre? Nous allons venir vous enseigner. L'opération Hack'n'Run est lancée. Vous allez connaître la vraie force des hackers. Nous sommes DedSec. Il se passe plein de trucs de dingue dans le dos du public. Mais ça, tu le sais bien, sinon tu serais pas là, non? On peut dire ça. Bah ouais, t'avoir avec nous, avoir des followers qui téléchargent notre appli, rendre tout ça public, ce serait peut-être bien de commencer à voir ce qui se passe vraiment. Je pensais vraiment que ce film allait être bien. Bah ouais, pour se marrer, on peut pas rêver mieux. T'avais dit cool. T'es sûr que j'avais utilisé ce terme-là? Voilà ce qu'on sait, Josh. Cyberdriver va sûrement être une cybercatastrophe à $1 million. Tu peux arrêter de prononcer ce mot, s'il te plaît? Ah, oh, ça va, on rigole, fais pas ton cyber rabat-joie. Pourquoi Galilei a accepté que son nom soit terni? Tu veux dire cyberisé? Oh, tu peux insister, tu sais. Ça me fera jamais rire. On va pas se mentir. Si c'est ça les scènes qu'ils ont choisies pour le trailer, le reste du film va être carrément naze. Mais je me demande quand même pourquoi ils ont choisi de cibler DedSec. Bah, l'affaire de Chicago, c'était pas rien. Pas faux. Enfin bref, peu importe. Toi et moi, mec, on part à fond sur l'autoroute de l'info et on va faire régner notre cyber-justice. T'inquiète, Josh, on va s'amuser. Et promis, je dirai plus jamais le mot cyber. Tu sais, une fois qu'on aura fini, le cyber-monde ne sera jamais le même. Nous y voilà, les studios de Hook Motion Picture.
Rebecca va arriver un peu plus tard que prévu. Je sais. C'est bon les gars, je suis entré. Et voilà. Cool. Les mails top secrets. Hey, mon pote! Ça me dépasse. C'est bon, je l'ai. On a carrément tout le script de Cyberdriver. Et pour la voiture? Je crois pas qu'elle soit là. On la trouvera. Bon, j'y vais, moi. J'y crois pas. Merde, c'est moche. Les gars, je viens de tomber sur un mail qui dit que la voiture est en cours de livraison.
mais ça dit ni où ni quand. C'est pas grave. Je crois que j'ai un plan de secours. Marcus, je connais un paparazzi qui sait où se trouve la voiture. Il t'attend. On lui donnera ce qui l'intéresse parmi les mails qu'on a chopés. Il m'a dit qu'il était OK. Attends, tu connais un paparazzi aussi? Non mais sérieux, y a quelqu'un que tu connais pas? Je suis sociable. C'est tout moi, ça. Comment les gens peuvent continuer à croire les conneries de New Dawn? C'est qu'une machine à fric déguisée en église New Age. Généralement, c'est les cas sociaux et les vieux qui se font avoir. Mais là, t'as même des stars qui sont censées être cultivées et intelligentes. C'est n'importe quoi. Moi aussi, je veux ma part du gâteau. Si tu veux savoir où est la voiture, t'as intérêt à me filer du gros, mec. Gros genre Jimmy Siska et Nelly Shire? Ils couchent ensemble? Je le savais. Voilà, ça c'est du sérieux. Compte sur moi. Cool. Super cool. Ok, je t'ai envoyé l'itinéraire GPS de la voiture.
C'est quoi ça? Rien à foutre. Hein? Où est-ce que tu te caches alors? On se sépare! On y est toute la zone! Quoi? C'est bon, tout. Merde! Ah! Ne va pas là-bas! Quoi? Déployez-vous! Thank you.